Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Et ce matin, nous sommes là. Nous sommes là pour dire merci à Dieu. Nous sommes là pour passer du bon moment dans la présence de Dieu. Il y a une semaine qui s'ajoute maintenant encore dans notre vie. Que cette semaine soit pour toi une très bonne semaine. Comme l'a dit la Bible, c'est une journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Laisse que la gloire de Dieu soit avec nous en ce jour. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes matinales. Et shalom à Mama Mati Limbaya Ando. Shalom à toi à Mama et Nicole Mouipata. Hier, je t'ai pas vu à Nicole. Tu apportes ton certificat médical pour mardi. Donc j'ai besoin de savoir pourquoi tu n'étais pas venue. Mama Micheline, hier aussi, je t'ai pas vu. Mama Loli Massamba, que Dieu te bénisse. Et shalom à toi. Mama Marcy Makengo Mayemba. Que Dieu te bénisse, shalom à Mama Odette Abobo depuis Liège. Nous sommes ensemble encore ce matin. Voilà donc, Ya gloire gozo, que Dieu te bénisse. Merci, merci, shalom à toi. Une très bonne journée. Donc voilà, ce matin, aujourd'hui, nous sommes vraiment matinales parce que nous avons passé des journées où nous avions essayé d'aborder le sujet de nos enfants, où nous voulions parler de la contraception et de la vie chrétienne. Mais à chaque fois que nous avions essayé, donc Dieu n'a pas permis. Je ne veux pas dire que l'ennemi n'a pas voulu, mais je dis Dieu ne l'a pas permis parce que pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, tout est une opportunité. Donc aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de parler du sujet. Aujourd'hui, nous avions la connexion et la connexion est bonne. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer vraiment dans ces sujets et Dieu va nous éclairer. Alléluia. Shalom à toi, ma sœur, maman Nathalie Lotema. Que Dieu te bénisse. Shalom à papa Jeff. Voilà, je réussis ton appel, donc je réussis ton message, donc et nous t'attendons. Voilà, donc shalom à maman Julienne Mabouini, que Dieu te bénisse. Maman Titi Mafuta, shalom à toi, bonjour à toi, que Dieu te bénisse. Merci, merci encore, merci à maman Simone, que Dieu te bénisse, ma sœur. Je suis dans la joie de te voir encore ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Et qui d'autre encore là? Qui d'autre s'est connecté? Donc nous sommes là pour précéder l'aurore, nous sommes là pour tourner nos regards. Nous saluons notre sœur maman Andy Kalombo, que Dieu te bénisse. Voilà, donc nous saluons la présence de tout un chacun et nous croyons qu'aujourd'hui nous voulons et nous allons passer du très beau moment dans la présence de Dieu. Essaye de partager la vidéo maman Dina, la japonaise depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Voilà, donc nous sommes là et aujourd'hui nous allons vraiment prendre du très beau moment. Merci à toi, maman Honorine Akwala. Ça fait quelques dimanches que je ne t'ai pas vu. J'attends ton certificat médical pour savoir pourquoi tu n'es pas venu au culte. Voilà, que Dieu te bénisse. Nos salutations aux enfants et à notre papa. Nous saluons le couple Massamba. Nous saluons maman Tania. Nous saluons papa Massamba. Shalom à toi, l'homme de Dieu. Shalom à toi, mon frère. Roger Kousou, Roger Mwanangel. Oh, voilà, maman Nadine Mokwabili est là. Maman, Dieu te bénisse. Merci à toi. Merci à toi, shalom à toi, ma sœur, que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là et nous allons reprendre là où nous étions arrêtés. Et donc depuis le jeudi, nous voulons aborder ces sujets, mais à chaque fois nous avions eu un problème avec la connexion. Et aujourd'hui Dieu nous fait la grâce, la connexion est bonne. Et shalom à toi, maman Belinda, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Champagne Rite, maman Nana, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc nous allons directement rentrer dans le vif de notre sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la famille. Alléluia, nous parlons de la famille. La Bible nous montre que la famille est très importante. Alléluia. Quand Dieu a institué la famille, la Bible nous dit que dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 28, Dieu le bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
La Bible nous dit que Dieu dit à l'homme de dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux qui sont au ciel, et il nous dit sur tous les animaux qui se meut sur la terre. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Alléluia. Donc l'intention de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'était que la famille soit bénie. Alléluia. Donc la famille se multiplie et que la famille remplisse la terre. Alléluia. Donc c'est ça le plan de Dieu. Dieu a donné la terre aux enfants des hommes, nous dit le psaume 115, le verset 16. Quand Dieu nous a créés, il nous a placés directement sur la terre. Dieu n'a jamais été d'accord après la rébellion de l'homme de voir le diable ainsi que son armée descendre sur la terre. Dieu n'était pas d'accord parce que dans le plan de Dieu, la terre n'a pas été créée pour le diable ainsi que pour ses acolytes. Quand ils sont descendus sur la terre est devenue informe et vide. Et Dieu a dit non, il faut que j'apporte la lumière à la terre et que j'établisse la créature qui doit gérer la terre. Et cette créature qui est en train de gérer la terre, c'est l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes la dernière touche de la création. Donc nous sommes la dernière créature de Dieu. Oh, je voulais dire à quelqu'un que tu ne dois pas te déconsidérer parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Tu as été créé, tu as été formé par Dieu et tu as été placé sur la terre pour être le représentant de Dieu. Donc tu es son ambassadeur. Alléluia. Donc nous avons de l'importance devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler de la famille chrétienne. Donc je suis en train de parler de la vie de la famille. Je voulais montrer à quelqu'un l'importance de ta famille. La famille, bien-aimé dans le Seigneur, la famille est très importante. Et je parlais en disant qu'il n'y a aucune famille qui est parfaite. Même pas la famille de ton pasteur, même pas la famille de ton mari, même pas la famille. Il n'y a aucune famille. Il n'y a aucune famille qui n'a pas de sorciers. Il n'y a aucune famille qui n'a pas de problème, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu ne dois pas rejeter ta famille parce qu'il y a des problèmes dans ta famille. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a ce que j'appelle l'ordre de priorité dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce qui doit être prioritaire? La première des choses, en parlant de l'ordre de priorité dans la vie d'un chrétien, je disais, la première chose qui doit être très importante dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Donc, premièrement, il y a ta relation avec Dieu. Et deuxièmement, il y a ta relation avec ta famille. Et troisièmement, il y a ta relation avec l'Église. Et quatrièmement, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ta relation avec le monde avec lequel tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que tu puisses comprendre que la famille a été créée avant l'Église. Donc ce n'est pas au pasteur de venir diriger ta maison. Ce n'est pas à l'apôtre de venir conduire ton ménage. Je suis pas d'accord de voir aujourd'hui, il y a des femmes qui respectent beaucoup plus leurs pasteurs plus que leurs hommes. Alléluia. Non, donc il est important, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas abandonner ta famille pour aller vivre à l'église. Je vis des jeunes hommes aujourd'hui rentrer dans des fausses églises, dans des fausses doctrines, où on les encourage d'être désobéissants envers leurs parents, afin que leurs parents le chassent. Et une fois qu'ils sont chassés, ils vont commencer à habiter dans des églises. Et quand ils arrivent, ce soi-disant pasteur, moi je les appelle des escrocs, des gourous, d'accord? Ils prennent le contrôle la vie de ces jeunes, ces victimes. Il leur reprend leur carte en banque et c'est eux maintenant qui sont en train de gérer pas simplement la dîme, mais aussi le salaire de ces jeunes hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de choses, il faut les dénoncer. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à appuyer son peuple. Dieu ne nous a pas appelés à détruire son peuple. Non, 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 non. Nous sommes des bergers. Nous sommes là pour garder le brebis de l'Éternel et non pas pour le détruire. Nous ne sommes pas des loups et qui sont derrière la brebis pour la tuer. Alléluia. Nous ne sommes pas des serpents ou encore des lions et qui courent derrière la chair de brebis. Est-ce qu'il y a, quelqu'un qui me fait, quelqu'un qui me comprend? Donc, je parle de la vie de ta famille. Donc, la vie de ta famille est très importante. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maman restera ta maman, même si elle est une sorcière. Tu dois prier pour ta maman, tu dois bénir ta maman. Et je dis à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend de nous que nous puissions prendre soin de nos parents. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre, la Bible nous parle que nous devons prendre soin de nos parents.
Alléluia. Donc, je suis en train de parler de ces choses parce que il est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme j'avais dit, la fois passée, on avait commencé, mais on s'était arrêté un peu parce que nous avions eu ces jours-là le problème de connexion. Alléluia. Nous avions parlé nous sommes en train de parler des enfants. Donc c'est là qu'il y a eu un problème, c'est là qu'il y a eu des questions, les questions qui ont été posées parce que pendant que je donnais le mission, je n'avais pas eu le temps de lire ce que vous étiez en train d'écrire. Et c'est après, quand j'essaie de revoir les émissions et les interventions, et j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Nous étions en train de parler des enfants. Nous avons dit que les enfants sont indispensables. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que le fruit des entrailles est une bénédiction. Alléluia. Dieu bénit le couple à leur donnant la capacité de faire des enfants. Alléluia. Donc, je dis que la femme devient une mère et l'homme devient un père. Alléluia. Et nous avons la responsabilité. Je parlais de maîtriser le nombre des naissances. Je parlais de la maîtrise du nombre des naissances. Alléluia. Dieu nous a laissé l'initiative. C'est à nous, le parent. Alléluia. Nous devons prendre l'initiative, bien-aimé dans le Seigneur, de gérer le nombre de nos enfants. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est alors qu'il y a eu cette question qui a été posée. Alors, qu'est-ce que tu en parles? Qu'est-ce que tu dis par rapport à la contraception. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible en parle? Pas simplement moi, parce que qui suis-je, moi, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne suis qu'un homme de Dieu. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Donc, toute question qui m'est posée, je vais essayer de le répondre par rapport à la Bible. Alléluia. Je vis des questions de gens qui m'ont posé la question, que faudrait-il faire? Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses comprendre une chose. La Bible ne nous parle pas exactement de la contraception. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, la Bible ne nous parle pas exactement de la contraception. Et la seule fois où la Bible nous en parle un peu, bien-aimé dans le Seigneur, c'était quand il y a eu cette relation entre Onam et Tamar. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont couché ensemble, mais quand c'était le moment où l'homme devait éjaculer, où l'homme devait donner sa semence, la Bible nous dit il a évité de donner sa semence à la femme. Il a éjaculé par terre. Et là, Dieu n'a pas été content. Et la Bible nous montre dans le livre de la Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu n'a pas été d'accord à ses comportements. Alléluia. Donc c'est ça le problème et Dieu l'a condamné, je crois. Genèse chapitre 38 verset 6 à 10. Alléluia. Il a été condamné par Dieu. Le fils de Judas a été condamné. Pourquoi? Dieu n'était pas d'accord. Mais ce n'est pas une question de la contraception. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire par là? Est-ce que la contraception est un péché ou la contraception est permise par Dieu? Est permise par Dieu. Alléluia. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder à la Bible. Je dis, Dieu nous a dit, que ce soit dans Genèse chapitre 1, verset 28, ou encore dans Genèse chapitre 9, Dieu nous dit quoi? Dieu bénit Noé et ses fils, et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, alléluia, et remplissez la terre. Alléluia. Et mais nous devons savoir, Dieu n'a pas parlé dans la Bible. Il n'est pas question de la contraception parce que le mot contraception est venu après. D'accord? Il est venu après. Il est apparu après. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que nous ne devons pas tuer. Tu ne tueras pas. Alléluia. Donc nous devons être vigilants, bien-aimés dans le Seigneur, sur le méthode contraceptive que nous sommes en train d'employer. Nous devons employer des méthodes qui ne tuent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Le problème, ce n'est pas la contraception. Le problème, c'est que nous ne devons pas tuer. Nous ne devons pas tuer le fœtus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est déjà une vie qui est en train d'être formée et Dieu nous interdit de tuer cette vie. Alléluia. Donc, il y a des méthodes de contraception qui tuent le bébé, c'est-à-dire que le fœtus, l'embryon qui était déjà en train de se former, mais il y a d'autres méthodes qui ne le tuent pas. Alléluia. Donc nous avons la responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur, d'employer de méthodes qui ne détruira pas la vie, parce que la vie est précieuse.
Alléluia. Donc, quand nous parlerons de ces choses, nous devons comprendre. Parlons par exemple des stérilés. Dieu est contre les stérilés parce que ça tue l'enfant. Il y a une grossesse. L'enfant devait commencer à se progresser directement. L'enfant est tué. Donc là, il y a une vie qui est détruite. Alléluia. Et parlons du problème de l'avortement. Quelqu'un, il dit, d'accord, je vais limiter parce que j'en ai déjà beaucoup. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais aller m'avorter. Donc là, Dieu n'est pas d'accord parce que tu es en train de détruire une vie. Mais il y a moyen, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des autres pilules qui ne tuent pas. Alléluia. Donc, qui empêchent la grossesse. D'accord? Donc, ça ne tue pas le fœtus, mais ça empêche la grossesse. Il y a aussi l'abstinence. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Donc, il y a moyen de s'abstenir. C'est savoir que maintenant, la femme est dans cette période. Donc, nous devons attendre que cette période soit passée et après, nous pouvons encore nous remettre. Et l'apôtre Paul nous dit encore, pour des raisons de rentrer dans la présence de Dieu, nous pouvons aussi nous abstenir. Alléluia. Donc, le grand problème qui est là, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais simplement dire à quelqu'un que Dieu nous dit que nous ne devons pas tuer. Alléluia. Donc, tu ne peux pas détruire une vie. Tu ne peux pas détruire la vie. C'est là que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Tu ne peux pas tuer. Tu ne tueras pas. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Exode chapitre 20, le verset 13. Dieu, il est contre la mort. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas dire que ce n'est qu'un fœtus. Non, c'est déjà une vie qui a commencé de se former. Alors, oh, gloire à Dieu, est-ce que ça bloque toujours? Je n'ai pas d'autre solution, ma sœur, donc je vais continuer. Alléluia. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire, que Dieu n'est pas, c'est à nous la responsabilité, Dieu nous donne cette responsabilité. Alléluia. Il est important, bien-aimé, dans le Seigneur, il est indispensable que nous puissions prendre des responsabilités. Nous devons maîtriser le nombre des naissances dans notre vie. Ce n'est pas normal. C'est pas. Tu n'es pas une pondeuse. Alléluia. Tu n'es pas une poule. Tu es un homme. Dieu t'a laissé l'initiative, la responsabilité de veiller à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants ne doivent pas te perturber dans ta vie. Alléluia. Donc, les enfants sont une bénédiction. Ils doivent être une bénédiction. Alléluia. Il y a des enfants. Je vis une femme à la télévision qui a 38 ans, qui avait 30 enfants, 20 enfants. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Est-ce que tu as le temps de donner une éducation à chacune de ses enfants? Faire des enfants, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu as le temps de les éduquer? Est-ce que tu as le temps de les éduquer? Est-ce que tu as le temps de les éduquer? Alléluia. Le problème, ce n'est pas de faire des enfants, mais c'est de donner une bonne avenir à ses enfants. Écoutez-moi, la Bible nous dit, le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu auprès de son père. Il a demandé à son père la part de son héritage. Alléluia. Le fils prodigue, bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi, regardez l'histoire dans Luc chapitre 15. Le jeune homme est venu auprès de son parent, de son père. Il a dit, donne-moi la part qui m'est due. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si ton fils vient, il te demande sa part, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Alléluia. Son argent même des allocations, tu utilises, tu mets même pas de côté pour l'enfant. Alléluia. Tu ne mets même pas quelque chose de côté. Mais si l'enfant il fait une bêtise ou un bêtise, c'est toi qui s'énerve. Pourquoi il a pris mes maquillages? Pourquoi il a pris ma chemise? Mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'enfant que Dieu t'a béni là, et cet enfant-là, son argent, cet argent-là, oui, c'est bien, ça aide pour son éducation, pour payer ses études. Mais tu peux aussi mettre des côtés pour l'enfant. Le jour où il aura 20 ans, il aura 30 ans, tu lui dis, on n'a pas beaucoup, mais le paix que nous avons pu mettre des côtés, pendant que tu étais en train de grandir, c'est ça. Ça peut lui aider à avoir un appartement. Ça peut lui aider à payer ne fût-ce qu'un loyer. Alléluia. Tu peux, bien aimé, l'enfant est venu, il demanda à ce parent et ce parent leur ont donné ce qui lui était dû.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être trop durs avec nos enfants. Donc, parlant de la contraception, comme je le disais, bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est à nous de prendre l'initiative. Ce que Dieu est contre, c'est que nous puissions détruire une vie. Alléluia. Il y a ce que nous appelons le pilule de lendemain. Cette pilule, ça tue le fœtus. Donc, l'enfant était déjà rentré et ça lui interdit de continuer à vivre. Mais il y a des pilules contraceptives. Alléluia. Des pilules contraceptives. Donc ça empêche la grossesse. Ça ne tue pas, mais ça empêche que la grossesse rentre. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le stérilet, ça détruit l'enfant. L'enfant est rentré et le stérilet lui empêche de continuer à vivre. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, mais il faut que tu en parles avec ton gynécologue. Il faut que tu en parles avec ton pharmacien. Demande à ton pharmacien. Demande à ton gynécologue. Dis-le que moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas tuer. Et je veux que ça soit une pilule préventive. C'est-à-dire que ça doit prévenir pour que la grossesse ne rentre pas. Alléluia. Parce que je n'ai pas besoin de tuer. Je n'ai pas besoin. Je vais rester bien envers Dieu. Donc, il y a des méthodes qui sont bien. Il y a aussi de méthodes qui ne sont pas bonnes. Donc quand je dis Onam n'a pas été tué parce qu'il avait éjaculé à côté. Non, il était tué simplement parce que il couchait avec Tamar, mais il ne voulait pas donner une descendance à son frère. Il savait que si avait un enfant qui allait naître, cet enfant n'allait pas l'appartenir. Cet enfant, il devait être l'enfant de Er. Il allait continuer la descendance de Er, l'héritage de Er, le nom de R n'allait pas être supprimé en Israël. Et lui, il était égoïste. Donc, il couchait avec une femme, mais il voulait pas lui donner ce qui était dû selon la loi de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand il y a un sujet, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que dit la Bible. Mais je crois qu'il est important que nous puissions régulariser. Alléluia. C'est notre choix, c'est notre responsabilité. Vous devez vous en parler et tant que parents, vous devez vous asseoir et parler, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je voulais dire à une sœur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour faire des enfants et il y a un autre temps pour les éduquer. L'éducation de nos enfants sont très importantes. N'attends pas à avoir 50 ans pour commencer à chercher à faire un enfant. N'attends pas à avoir 40 ans pour commencer à chercher à faire un enfant. Le corps de la femme ne répond pas de la même manière que le corps de l'homme. À 50 ans, un homme peut encore donner des enfants, mais la femme, ça deviendra impossible. Donc, n'attends pas que le travail que tu fais ne te distrait pas. Alléluia, prends un moment où tu arrêtes toi et commences à faire des enfants et après, grandis avec tes enfants. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent nous demander, apôtre, prie pour moi. Mais pendant tout ce temps, tu étais déjà marié. Pourquoi tu n'as pas fait des enfants? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous commençons à chercher des démons et des sorciers? Simplement parce que nous n'avons pas été pris dans mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est pas simplement les Alléluia et Amen. La vie chrétienne, c'est pas simplement les sorciers. La vie chrétienne, c'est aussi la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donné. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des enfants. Il y a un temps pour éduquer ses enfants. Il y a un temps pour grandir avec ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. Il faut profiter du jour que Dieu te donne. C'est pourquoi David a dit, c'est une journée que l'Éternel m'a faite, que ce soit pour moi un sujet de joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je suis pas chimiste, je ne connais pas beaucoup sur la médecine, mais je suis en train d'analyser la pensée de Dieu. Alléluia. Donc cet homme s'est retiré de la femme avant la fin du rapport. Alléluia. Donc il a refusé de donner une descendance à son frère qui était mort. C'est pourquoi il était condamné. C'est pas une question de contraception. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est une autre chose.
Alléluia. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais répondre par rapport à cette question que nous étions en train de dire. Donc nous avons la responsabilité. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons instruire nos enfants. Tu ne dois pas laisser la responsabilité, l'instruction de ton enfant à son école. Alléluia. Évitons le métaux. Donc, évitons de donner la responsabilité aux institutions. Invitons. Ce n'est pas la responsabilité de la nation. Non, Dieu t'a donné cet enfant. C'est Dieu qui te l'a donné. Si tu ne sais pas le gérer à 10 ans, à 5 ans, et quand il aura 16 ans, quand il aura 20 ans, bien-aimé dans le Seigneur, quand il aura 50 ans, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, nous devons être responsables. Nous, enfants de Dieu, nous devons être responsables. Et nous pouvons utiliser pour le calendrier féminin. Alléluia. Et donc, ne pas être fécond que le 8 jours environ. Donc, je crois que vous, les femmes, vous connaissez mieux ces choses-là. Et vous pouvez aussi en parler avec vos gynécologues. Et savoir calculer le période de fécondité. C'est important. Alléluia. Mais parfois, tu vas voir que tu as calculé, mais Dieu a permis quand même qu'un enfant vienne. Et quand l'enfant vient, tu ne peux pas les détruire, tu ne peux pas les tuer. La vie est sacrée. Toi, on t'a pas tué, on t'a laissé vivre. Laisse vivre aussi l'enfant. Alléluia. Il faut pas dire que non, cette relation-là, non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas après que tu dois commencer à comprendre certaines choses. Non, c'est avant. Tu es un enfant de Dieu, tu dois le faire dans le norme, tu dois le faire dans le règle. Alléluia. Donc moi, je crois qu'il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous dit la Bible. Donc si Dieu le permet, peut-être le samedi, nous allons avoir 2 personnes ou 3 personnes sur le plateau et nous allons discuter encore de ces choses avec tous les arguments. Sauf que s'il y a quelqu'un qui veut participer, donc nous serons là et nous allons encore en parler. Alléluia. Donc il est important pour moi que nous puissions comprendre ces choses. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut pas attendre ce que les gens disent. Il faut chercher à comprendre que dit les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la citation? Parce que ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Et la pensée de Dieu, c'est quoi? C'est que tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Exode chapitre 20, le verset 13. Tu ne peux pas tuer un fœtus. Un enfant qui est déjà rentré, laisse-le vivre. Alléluia. Laisse-les se développer. Donne-lui la chance aussi de vivre de la même manière que on t'avait laissé la chance de vivre. Cet enfant aussi mérite de vivre. Alléluia. Donne-lui la chance de vivre. Donne-lui la chance de se développer. Tu ne sais pas qui il sera. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 38, verset 4 à 10, le verset que les gens utilisent pour nous dire que Dieu est contre la contraception. Non, bien-aimé dans le Seigneur, les kiotis interrompus ou encore interrupus ne se retrouvent pas dans la Bible. La Bible nous dit simplement dans Genèse chapitre 38, 4 à 10, que Onam a refusé de donner une descendance à son frère. Et selon la loi de Dieu qui est dans Deutéronome, chapitre 25, versets 5 à 6, il a été coupable de la gloire de Dieu. Alléluia, parce que la loi de Dieu lui obligeait de donner une succession à son frère, une postérité à son frère. Tu couches avec cette femme-là, mais pourquoi tu ne veux pas lui donner des enfants? Alléluia. Si tu ne voulais pas, il fallait pas coucher avec Tamar. Comment tu vas coucher avec une femme et au moment de lui donner la semence, tu commences à donner la semence à terre et Dieu était contre. Alléluia. Il y a aussi un problème avec le préservatif. Donc, quand nous sommes dans un couple, c'est à nous de limiter, c'est à nous de dire que nous ne voulons pas des enfants. Alléluia. Là, Dieu n'est pas contre. Alléluia. Dieu est contre simplement si tu détruis la vie humaine. C'est alors que Dieu devient contre. Alléluia. Donc, soyons responsables de nos enfants. Faire des enfants, c'est très important. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 127? La Bible nous dit, les enfants sont comme des flèches entre les mains des guerriers. Donc, Dieu t'a donné ces vies pour que tu les lances, afin qu'ils atteignent leur destinée, afin qu'ils accomplissent ce pourquoi Dieu les a suscités. Leur argent-là, tu dois le mettre à côté pour leur payer des initiatives.
l'université. Tu diras quoi? Ah, nous sommes pauvres, nous n'avons pas l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on mettait à côté pour l'éducation de nos enfants, nous serions capables de leur payer de bonnes études. Nous serions capables de leur payer de l'université. Tu as acheté avec cet argent des maisons au Congo. Et aujourd'hui, les gens ont détruit ces maisons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. L'argent des enfants, c'est pas pour tes mèches, c'est pas pour le brésilien, c'est pas pour les indiennes. Alléluia. Ah, c'est pour les aider à grandir. C'est pour mettre aussi des côtés pour eux. Pour qu'un jour, ils puissent au moins dire que, ma maman a pensé à moi. Alléluia. C'est pour leur payer une bonne éducation, de bonnes études. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, il est important que dans chaque chose, nous puissions chercher la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Donc pour ce qui concerne l'avortement, Dieu est contre l'avortement. Et pour ce qui concerne le pilule, il y a certaines pilules préventives qui sont bonnes, mais il y a des pilules qui détruisent la vie humaine. Et ça, c'est pas de bonnes méthodes à faire. Donc voilà. Donc sinon, l'abstinence est là. Et tu diras à ton homme, tu lui, et on est là chaque jour, on le fait. Et si on doit s'abstenir pendant un jour, pendant deux jours, pendant huit jours, il faut être patient. Je suis là, je ne pas fui. Alléluia. Donc c'est pour une bonne raison, c'est pour ne pas après courir derrière l'avortement, parce que l'avortement est un péché. Dieu est contre l'avortement, même l'avortement de 2 semaines, même l'avortement de 4 semaines. Je suis en train de te décourager, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une vie que tu es en train de détruire, et tu ne peux pas détruire une vie. Si tu la détruis, Dieu te demandera des comptes. Je ne sais pas si aujourd'hui nous avions été clairs. Je ne sais pas si aujourd'hui nous avons pu parler du sujet. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose, parce que à 3 fois nous avons essayé d'aborder le sujet et à 3 fois nous avons toujours été limités par le problème de connexion. Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous a fait grâce. Je ne sais pas même si ça a bloqué quelques moments, mais je crois que tout le monde a pu un peu recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous voulons parler, et nous aurions le temps, comme je le dis, le week-end, nous ferons un plateau et nous allons inviter qui sera volontaire de venir, et ensemble nous allons encore discuter, et ensemble nous allons encore partager la parole. Et le but, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il doit dévorer. Voilà ce que je voulais dire. Et si cette parole a aidé une personne, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc il est important, si vous avez des sujets, si vous avez des sujets à répondre ou des questions, posez-les. Nous allons chercher une manière claire et nette de répondre au sujet. Donc c'est bien d'interpréter le verset, mais il faut l'interpréter selon les contextes. Donc un texte qui est pris en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. Et nous voulons pas faire des prétextes. Nous voulons vraiment comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci à toi, maman. Merci à toi, merci à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes devant le Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons bénir notre Dieu, alléluia. Nous voulons lui dire merci du plus profond de notre cœur. Nous voulons lui rendre des actions de grâce pour cette nouvelle semaine que Dieu a permis que nous puissions rentrer. Nous voulons lui dire merci parce qu'il a ajouté une semaine de plus dans notre vie. Oh, nous voulons lui rendre des actions de grâce pour la semaine qui a commencé. Élève ta voix, ma sœur, là où tu es. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ça. Fidélité. Dis-lui merci, merci, merci. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Merci pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Merci pour cette semaine de plus qu'il a ajouté dans ta vie. La Bible nous dit, c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à glorifier Dieu. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, merci pour la grâce d'être encore en vie. Hallelujah. Tu as permis que je puisse vivre, et tu m'as gardé en vie. Je viens ce matin reconnaître que la vie que je me viens, oh, commence à élever ta voix et bénis le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Dieu qui donne l'être et le mouvement, élève ta voix et commence à le glorifier maintenant. Élève ta voix et commence à bénir son nom maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu qui t'a fait vivre, le Dieu qui a permis que tu sois en vie aujourd'hui, le Dieu qui n'a pas permis que la mort puisse frapper à ta porte, le Dieu qui a empêché que la mort puisse te
prendre. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à le bénir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui m'a connu depuis mon origine. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Bénis-le, bénis-le ce matin. Ce matin, nous bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu qui nous a connus lorsque nous étions en queue de masse informe et vide. Oh, alléluia. Commence à le bénir. Dieu, merci pour ta vie. Dieu, merci pour ta santé. Dieu, merci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de bénir le nom de notre Seigneur. Merci parce que tu m'as fait vivre. Merci pour ta paix qui inonde mon cœur. Commence à bénir le nom de Dieu. Bénis son nom ce matin. Nous sommes en train de bénir le nom de Dieu. Alléluia. Oh, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, le Dieu qui est capable de te donner au-delà de ce que l'homme peut te donner. Commence à lui bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Commence à lui bénir ce matin. Nous sommes en train de bénir le nom de notre Dieu. J'attends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Ah, j'attends quelqu'un qui dit merci à Dieu pour sa famille. Ah, j'attends quelqu'un qui dit merci à Dieu pour ses enfants. J'attends quelqu'un qui dit à Dieu merci. Merci, merci, merci. Merci pour ma santé. Oh, le Dieu de ma vie, je viens te dire merci pour ma santé. Alléluia. Combien n'ont pas eu la grâce de se réveiller maintenant? Il y a des gens qui étaient en train de dormir comme toi et moi, mais qui se sont pas réveillés. Il y a des autres qui vont se réveiller dans des cercueils, dans des tombeaux. Mais toi et moi, Dieu nous a préservés, Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Nous élevons nos voix, nous disons merci à Dieu. David a dit, si l'Éternel ne garde, c'est qu'il a gardé le travail en vain. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Dis-lui merci pour sa protection dans ta vie. Élève ta voix, ma sœur, et commence à bénir le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui t'a protégé. La Bible nous dit qu'il te gardera. Celui qui te garde ne sommeille pas. Même pendant que toi, tu es en train de dormir, lui ne dort pas. Il veille sur toi, il protège, il a protégé ta maison, il a protégé ton appartement, il a protégé ton flat, il a protégé ta vie. Élève ta voix et commence à le bénir. Ce matin, nous sommes en train de bénir le nom du Seigneur. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. Oh, bénis le nom du Seigneur. Écoutez-moi, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia. Je te dis merci pour ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Alléluia. Combien de ceux qui étaient nés avec moi le même jour, aujourd'hui ne sont plus là. Combien de ceux qui étaient nés avec moi dans la même hôpital à Mamayemo, aujourd'hui ne sont plus là, mais Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Alléluia. Oh, commence à bénir le nom de Dieu. Oh, bénis le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de bénir le nom de Dieu. Alléluia. Alors, quelqu'un dit avec moi, je suis planté en Jésus-Christ. Non, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je suis planté en Jésus-Christ et personne ne peut me déraciner. Alléluia, personne, aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance maléfique, et aucun homme ne peut me déraciner car moi, pour la vie, je suis planté en Jésus-Christ. Alléluia, je suis planté en Jésus-Christ. Commence à déclarer maintenant que tu es planté en Jésus-Christ et personne ne peut te déraciner. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, même le méchant qui poursuit ta vie, ils ne peuvent rien faire contre toi parce que tu es la prunelle de Dieu. Oh, alléluia, parce que tu es planté en Jésus-Christ, tu es dans la main de Dieu et personne ne peut te ravir. Déclare-le ce matin, dis-le parce que tu le crois, dis-le parce que c'est ce qui est vrai. Personne ne peut te toucher, tu es intouchable, tu es insaisissable. Le diable ne peut rien contre toi. Oh, même les accusations ne pourront rien faire contre toi. Parce que tu as un avocat à la droite de Dieu le Père et qui s'appelle Yeshua HaMashiach, celui qui te défend lorsque le diable t'accuse, celui qui te défend lorsque le diable te réclame, celui qui te défend lorsqu'il vient te condamner, le démon de ta famille, le sorcier, le jaloux, ceux qui te détestent lorsqu'ils s'assemblent pour comploter contre ta vie. Ton avocat, il est là à la droite de Dieu le Père et il intercède à ta faveur. Élève le nom de Jésus-Christ, le Fils qui nous a été donné, le Fils qui nous a été donné, l'enfant qui nous était né, commence à bénir son nom. La domination repose sur ses ondes de parole. On l'appelle admirable, on l'appelle conseiller, on l'appelle Dieu tout-puissant. Il est Yeshua HaMashiach. Commence à bénir le nom de Jésus-Christ ce matin. Ah, ce matin, j'attends quelqu'un qui bénit le nom de Jésus. Ah, j'attends quelqu'un qui bénit le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus.
Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bénis son nom, bénis son nom. Oh, dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, ne me punis pas dans ta colère. Ah non, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, ne me punis pas dans ta colère. Pardonne-moi ce matin pour le pensée négative. Pardonne-moi pour toute la parole négative. Pardonne-moi pour mes actions coupables. Au devant de ton trône, je vais implorer ta grâce. Je vais implorer ta miséricorde dans ma vie. Ayez pitié de moi et pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à confesser le péché que tu dois confesser. Avoue-le devant Dieu. Promets-lui de l'abandonner. Promets-lui, bien-aimé dans le Seigneur, réconcilie-toi avec Dieu. Commence à réparer ce qui doit être réparé. Avec ton Dieu, parle maintenant, parle à Dieu. Demande-lui pardon au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dieu, l'Éternel, ne me pitié pas dans de mes iniquités. Ne me traite pas selon les iniquités de mes parents. Ne me traite pas selon mes propres iniquités. Ne me traite pas selon mes erreurs du passé. Ne me traite pas, Seigneur, selon mes péchés. Commence à implorer. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Ce matin, j'attends quelqu'un qui implore la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à invoquer sa miséricorde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Oh, dans ta miséricorde, aie pitié de moi. J'implore ta compassion dans ta vie. J'implore ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, sang de Jésus? Ah non, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, sang de Jésus, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ah non, sang de Jésus, lave-moi. Lave-moi ce matin, Seigneur Jésus, lave mon âme, purifie mes pensées, lave mon corps. Je viens au devant de ta croix, j'implore ton sang dans ma vie, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me rend plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu regardais à mes iniquités, je ne pourrai pas me présenter devant ton trône. Mais tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu riche en bonté et en miséricorde. Commence à implorer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, je trempe ma vie dans le sang de Jésus. Que ma vie soit trempée dans le sang de Jésus. Que tous les organes de mon corps soient trempés dans le sang de Jésus. Et que le cellule de mon corps soit trempé dans le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ ce matin. Ah, j'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Nous invoquons la couverture du sang de Jésus. Que ta vie soit couverte par le sang de Jésus. Oh, que ta vie soit marquée par le sang de Jésus. Élève ta voix ce matin. Et nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Élève ta voix ce matin. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Dans ton salon, tu invoques le sang de Jésus. Dans ta chambre à coucher, tu invoques le sang de Jésus. Oui, tu invoques le sang de Jésus-Christ dans ton bureau, dans ton lieu de travail. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui va prophétiser maintenant la confusion dans le camp de tes ennemis. Tu vas déclarer et tu vas prophétiser la confusion dans le camp de tes ennemis. La Bible déclare, par un seul chemin, les ennemis viendront contre toi, mais par sept chemins, ils s'enfuiront. Nous sommes en train de prophétiser le trouble, l'incompréhension totale, la mésentente dans le camp des ennemis de ton âme. Ceux qui viennent du côté de ton père et se sont associés avec ceux du côté de ta maman. Et nous allons demander que le trouble de Dieu le disperse maintenant, et que le feu de la confusion le divise maintenant, qu'il n'ait pas le même langage, qui soit dans l'incompréhension totale, hein, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'entends quelqu'un qui parle. Je me lève avec l'autorité du nom de Jésus-Christ et je prophétise contre le pouvoir satanique au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Vous qui cherchez à me détruire, que vos glaives se retournent contre vous, que vos épées se retournent contre vous, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je dis, vous qui cherchez à me détruire, que vos épées se retournent contre vous,
que vos glaives se retournent contre vous. Au nom puissant de Jésus, je prophétise le trouble et la confusion dans le camp des ennemis de mon âme. Je prophétise le trouble et la confusion dans le camp des ennemis de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ange de Dieu le pourchasse et ceux qui sont venus contre toi, que les anges descendent et qu'ils le pourchassent maintenant et qu'ils les éloignent de ta vie maintenant, qu'ils le détruisent maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tout pouvoir de la sorcellerie, tu veux me voir pleurer, tu veux me voir souffrir, que le feu de Dieu te localise, que le feu de Dieu te consume au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à prier maintenant, commence à déclarer la confusion dans le camp des ennemis de ton âme, commence à déclarer ta confusion au nom puissant de Jésus. Cette semaine, toi tu ne seras pas confuse, mais tes ennemis seront confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends quelqu'un qui prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux dire avec moi que tout ce qui a été programmé dans l'enfer, dans le séjour de mort, dans le lieu céleste contre ma vie, je les déprogramme maintenant. Au nom puissant de Jésus, en vertu de pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, je suis en train de déprogrammer ce qui a été programmé contre ma vie, dans la sorcellerie de ma famille, à Bandundu, au Bazaïa, peu importe la région dans laquelle tu es sorti, peu importe ce que l'ennemi avait planifié cette nuit, alors que toi et moi nous étions en train de dormir. Commence à déprogrammer leur programme au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. J'entends quelqu'un qui est en train de prier. Commence à déprogrammer maintenant. Déprogramme maintenant les accidents qu'ils avaient planifiés contre toi. Cela n'arrivera jamais. La Bible nous dit que toute âme qui s'élève contre toi en jugement, tu as le pouvoir de le condamner. Tu as le pouvoir de le détruire au nom puissant de Jésus. J'annule les accidents de la route, j'annule les accidents d'avion, j'annule les attaques terroristes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'entends quelqu'un qui est en train de prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier ce matin, nous sommes en train de prier ce matin. Nous annulons le décret de l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia, commence à prier maintenant. Je brise tout envoûtement dans ma vie. J'annule les envoûtements dans ma vie. J'annule la malchance dans ma vie. J'annule la malédiction dans ma vie. J'annule les limitations dans ma vie. J'annule les condamnations. Commence à annuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole de condamnation qui a été prononcée contre ta vie et qui a affecté négativement ta vie, commence à les annuler maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train d'annuler les envoûtements. Annuler les envoûtements. L'envoûtement de tes parents, de tes pas, de tes grands, de ta grande sœur, l'envoûtement de ton ex. Et commence à annuler maintenant. Oh, il y a un sorcier qui essaye chaque jour d'envoûter ta vie. Tu peux annuler ces envoûtements. Tu peux le rendre nul sans effet. Tu n'es pas envoûtable. Au nom de Jésus-Christ, j'annule l'envoûtement dans ma vie. J'annule le mauvais sort dans ma vie. J'annule. Je retourne à l'expéditaire. Tout mauvais sort, tout flèche de l'ennemi, tout fétiche qui a été faite contre moi, j'annule son pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'annule toute manipulation démoniaque, toute manipulation occulte. Commence à l'annuler, toute manipulation occulte qui a été projetée contre toi. Est-ce que tu peux les annuler maintenant? Est-ce que tu peux les annuler maintenant en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée? Commence à les annuler maintenant. Commence à l'annuler maintenant. Ah, j'entends quelqu'un qui refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, toi qui es en train de combattre ma vie,
Seigneur. Ah, le sorcier qui combat ma vie, répands-toi. Ah, si tu ne te répands pas, le feu de Dieu va te consumer aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Ceux qui sont en train de te combattre, s'ils ne se répandent pas, Dieu va les détruire cette année. Dieu va les consumer cette année. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, j'ai été racheté à un grand prix. Hein. Ah, je ne suis pas à vendre. Moi, pour la vie, je ne suis pas à vendre. J'ai été racheté à un grand prix. Jésus m'a racheté par son sang et personne ne peut m'acheter. Hein. Et personne ne peut m'acheter. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre, alléluia, au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute forme de captivité spirituelle. Je renonce à toute forme d'esclavage spirituel. Je sors de la captivité. Je sors de la prison satanique. Mon âme sort de la prison. Tu as été racheté par un grand prix. Au nom puissant de Jésus, il n'y a plus de condamnation en toi. Mon âme sort de la prison satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui est en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Ah, commence à prier maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste et aucun malheur ne nous arrivera. Ah, bien-aimé, tu vas recommander ta semaine entre les mains de Dieu. Que cette semaine soit pour toi une semaine d'opportunité. Ah. Or, que cette semaine soit pour toi une semaine de faveur et que le porte s'ouvre au devant de ta vie. Que Dieu te fasse rencontrer de bonnes personnes. De personnes qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée, de personnes qui vont bénir ta vie. Et commence à prier maintenant que Dieu enlève sur ton chemin des aventuriers, des escrocs, des gens qui viendront pour sucer ta bénédiction, pour voler ta grâce, et que Dieu les éloigne de ta vie. Que tout ce que la sorcellerie de ta famille essaye de mettre sur ta route, que Dieu les enlève, que Dieu le disperse. Commence à recommander ta semaine entre les mains de Dieu. Déclare-le, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare-le que cette semaine, ce sera une très bonne semaine de ma vie, une semaine de bénédiction, une semaine de visitation. Je rencontrerai de bonnes personnes, je serai au bon endroit, au bon moment et dans de bonnes circonstances. Commence à déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train de déclarer, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer maintenant, au nom de Jésus-Christ. David a dit, le soleil ne me frappera pas pendant la nuit. Déclare-le, le soleil ne te frappera pas pendant cette semaine. Oh, la lune ne te frappera pas pendant la nuit. Commence à les déclarer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le psaume chapitre 121, verset 6. Le soleil ne me frappera pas pendant la nuit, ni la lune pendant le jour. Commence à déclarer cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons libérer les anges de Dieu maintenant, afin qu'ils combattent à ton avantage. Et que les anges de Dieu soient libérés maintenant pour combattre les esprits qui combat ta vie. Alléluia. Il vient pendant que toi tu dors parce qu'ils savent que toi tu es un homme et ce sont des esprits. Nous allons libérer l'action des anges dans ta vie maintenant. Que les anges de Dieu se lèvent et ils combattent les esprits qui sont en train de te combattre. Allez, commence à prier maintenant. Libérez l'action des anges maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges soient libérés pour combattre dans le lieu céleste. Au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu récupèrent ce qui t'appartient et qui sont dans le lieu céleste. On pour te la porter maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, commence à prier maintenant. Oh, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, commence à prier maintenant. Alors que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie, et que la Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons recommander maintenant ta santé entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit que j'aimerais que tu prospères à tous égards, mais surtout que tu sois en bonne santé, parce que si tu n'es pas en bonne santé, même la prospérité, tu ne pourras jamais te jouir de ta prospérité. Nous voulons prier pour ta santé. J'entends quelqu'un qui est en train de prier maintenant, que tout ce qui est en train de te prédisposer à la maladie soit consumé par le feu de Dieu, soit détruit maintenant. Alors commence à prier maintenant, au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, commence à donner l'ordre à l'esprit qui est
est derrière la maladie, de libérer ta vie maintenant. Dis à ces démons que tu n'es pas candidat, que tu n'es pas candidate. Commence à chasser la maladie. Ne t'adresse pas à Dieu, adresse-toi à la maladie. Donne-lui l'ordre de prendre tout ce qu'il a apporté dans ta vie et de sortir avec, d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, ordonne à la maladie de libérer ton corps maintenant. Ordonne à la maladie, parle à la maladie maintenant. Toi, les démons qui est derrière ma maladie, je te donne l'ordre. Je ne suis pas ton enfant et je ne suis pas ton ami. Je ne t'aime pas. Je dis, je te maudis ce matin. Libère ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui déclare que le mois d'octobre est pour moi un mois de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Un mois d'octobre ne me refuse aucun de tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes en train de prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes en train de prier. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te bénir cette semaine. Demande à Dieu de te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Oh, que toutes les portes que l'ennemi avait fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, ouvre pour ma sœur, ouvre pour mon frère les portes que l'ennemi avait fermées dans sa vie. Seigneur, que ces portes s'ouvrent maintenant. Que les portes que l'ennemi avait fermées dans ma vie s'ouvrent maintenant. Que les opportunités que l'ennemi avait volées dans ma vie me soient restaurées maintenant. Et au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Étends ta main glorieuse. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, recommande ton sort à l'Éternel. Oh, mets à lui ta confiance. Commence à prier maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant pour ta richesse. Nous avons prié pour la santé. Maintenant, tu vas prier pour la richesse. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te visiter. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Demande à Dieu de te bénir. Dis, Seigneur Jésus, bénis-moi. Ah, du Seigneur Jésus, bénis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Répands sur moi ta bénédiction en abondance. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta bénédiction. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Demande à Dieu de te bénir. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi de rois. Merci pour la bénédiction financière, la bénédiction matérielle et surtout la bénédiction spirituelle. Alléluia. Fais-moi grandir dans la maturité. Donne-moi la maturité spirituelle afin que je puisse comprendre beaucoup de choses. Merci ô éternel Dieu. Merci à toi fidèle et tendre Père. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, gloire et victoire à toi Seigneur Jésus. Gloire et victoire à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Voilà bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière de ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, donc une très bonne journée avec le Seigneur. Que Dieu bénisse votre journée, que votre journée soit parfaite, que vous puissiez marcher avec Dieu de gloire en gloire. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une semaine de faveur divine. Alléluia. Et une semaine où les portes seront ouvertes. Que Dieu vous accompagne dans vos démarches. Qu'est-ce que j'allais dire, bien aimé dans le Seigneur? Nous sommes en train de préparer un programme. Donc il y a un programme qui s'annonce pour la journée de 17 et de 18 novembre. Hein, donc il y a 24 heures de prière, 24 heures de prière non-stop. Donc nous sommes en train d'organiser avec l'homme de Dieu, le pasteur Henri Billet. Donc nous avons 24 heures de prière, 24 heures de prière non-stop. Alléluia. Donc nous rentrons le 17 à 18 heures pour sortir le 18 à 18 heures. Alléluia. Donc ça sera ici à Bruxelles, à la Rigueude. Donc la Rigueude, c'est là où nous avions été avec le pasteur Charles Bameco. Mais cette fois-ci, c'est pas une veillée et une prière de. Non. C'est vraiment 24 heures de prière, 24 heures de prière non-stop. Donc de 18h vendredi 18h à samedi 18h, nous allons sortir. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc écris la date. Donc bientôt là, déjà, je vais mettre les affiches sur ma
page Facebook, donc tu peux déjà profiter pour voir un peu et faire un programme pour être là ces jours-là. Donc nous aurons le temps, comme nous n'allons pas sortir, donc nous aurons le temps pour faire des kirdam. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un entretien avec le pasteur Henri Bill ou bien avec moi-même, donc nous serons là, donc nous serons là donc à partir du vendredi jusqu'à samedi. Donc retenez bien la date, retenez bien les dates, c'est-à-dire c'est des dates 24 heures de prière. Donc nous commençons le 17 et nous terminons le 18 heures. Le thème c'est quoi? Vaincre le bataille invisible. Alléluia. Donc comment opérer dans l'invisible? Comment vaincre les batailles qui se passent dans l'invisible? Donc ça sera ici à Bruxelles au mois de novembre, le 17 et le 18. Donc comme je le dis, donc les affiches sont là et ça sera encore là. Donc nous allons le publier aujourd'hui. Nous allons aussi faire des vidéos pour essayer d'inviter le maximum de personnes pour que ce jour-là, Dieu puisse être au rendez-vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec nous. C'était bien l'apôtre Bolavie, l'apôtre Isao, l'époux et le mari d'une seule femme sans l'intention de divorcer. Que Dieu nous bénisse. Merci à toi, papa Isaac. Bonne semaine à toi. Bonne semaine à toi. Bonne semaine à toi, maman Mimi de Paris. Bonne semaine à toi, maman Micheline. Bonne semaine à toi, maman Honorine. À quoi là, comme je dis, j'attends les attestations. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Bonne semaine à toi, maman Julienne. Bonne semaine à papa Jacques. Bonne semaine à maman Marcy Makengo Mayemba. Bonne semaine à papa Piro Rodrigue. Que Dieu te bénisse. Les champagnards, que Dieu te bénisse. Merci, merci à toi. Merci à toi, maman Odette à Bobo. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Une très bonne semaine. Comme je le dis, cette semaine, c'est ta semaine. Cette semaine, c'est ta semaine. N'importe pas ton passé. Les erreurs du passé, c'est du passé. Donc, il faut affronter cette semaine avec détermination. Alléluia. Donc voilà, maman Sarah, que Dieu te bénisse. Maman Nathalie Lotema, que Dieu te bénisse. Ya Nicole, la maman de Edva, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Et bonne semaine à toi, maman Loli. Maman Loli, maman Loli Massamba, maman Loli Kivuila. Que Dieu te bénisse aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, et papa Philippe Ngalula, que Dieu vous bénisse. Maman Champagne Ruth, maman la belle, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc toi aussi, que Dieu te bénisse. Hier, on n'a pas eu le temps de parler. Voilà, que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes très contents et très fiers de toi. Et voilà, donc nous sommes là. Soyez bénis, soyez bénis. Papa Mwanza de Paul, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Papa Roger, Mwanange le Kousou, Maman Joadel, maman Joadel, sois bénie, maman Belinda. Voilà plein de bonnes choses. Continue à prier pour nous. Et si tu as des messages pour moi, il faut pas hésiter et transmets-moi le message. Shalom à toi, maman Françoise Moussoko. Que Dieu te bénisse. Maman Dina, la japonaise, sois bénie. Maman Flodel, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, c'était précédé l'aurore, un bon moment de prière avec votre serviteur, l'apôtre Bolavie Isaou, le mari d'une seule femme. Je vous laisse entre les bonnes mains. Thank you.